Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Company of Heroes 2 pour la fin de la campagne soviétique. Ça y est, on y est. Berlin, avril 45. Staline ordonna la capture de Berlin. Il avait prévu à juste titre un conflit avec les alliés de l'Ouest sur le contrôle de l'Allemagne après la guerre. Il demanda donc à ses commandants de remporter la victoire avant les États-Unis. Une grande partie de la capitale allemande fut détruite par un barrage soutenu de milliers de canons soviétiques, alors qu'une force de plus de 2 millions de soldats encerclait la ville. Hitler serait bientôt mort, son armée en déroute et son Troisième Reich anéanti. Il ne restait plus à l'URSS qu'à capturer le Reichstag, lieu symbolique de l'Allemagne et siège historique du pouvoir. Et je voulais crier pour appeler tous nos frères, nos soldats qui dorment à jamais sur les terres des champs de bataille russes, ukrainiens, biélorusses et polonais. Camarades, vous entendez? Nous y sommes! Vassili Grossman, correspondant de guerre soviétique. Oui, effectivement, les soviétiques ont encerclé Berlin. Avec plus de 15 000 canons, on a eu le droit à un barrage d'artillerie de plus de 18 heures d'affilée avant l'entrée des troupes soviétiques dans la ville. Quant à la prise du Reichstag, elle était juste symbolique, hein, parce que le Reichstag n'avait pas vraiment d'utilité, c'est juste un lieu de discours, mais il n'y avait plus de parlement, je veux dire, le parlement existait, mais il n'y avait qu'un seul parti autorisé. Les seuls députés qui étaient présents, c'était juste pour des honneurs, c'est tout. Mais il faut savoir que si les Russes ont voulu foncer vers Berlin, les Américains à l'ouest le savaient. Et, pour ne pas trop fâcher les Russes, ils ont justement attendu sur l'Èbre. C'est pour ça qu'on a eu la rencontre des soldats soviétiques et américains sur l'Èbre. Les Américains auraient pu pousser. Mais bon. Le que l'on soit, cette bataille, ça va être encore un truc que j'aime pas, du combat urbain. Parce que la ville va être défendue. Chaque mètre carré va être tenu par des SS et par Volksturm. Du conseil, les rues de Berlin sont un vrai labyrinthe de décombres et d'objets épars dans les derniers jours. Surveillez chaque coin de rue à la recherche d'équipements et surtout sur chacun de rue au cas où il y aurait une embuscade. On va penser à Shrek. Il va falloir nettoyer le terrain mètre par mètre, ça va être chiant. Alors c'est sûr qu'il y aura très très peu de blindés et d'équipements lourds du côté des Allemands. Mais les Panzer Schreck sont redoutables. Hein. D'ailleurs, en termes d'organisation de la ville, de plan, ils ont assez bien reconstitué la ville. Hein. Ce qu'il va falloir gérer, ça va être prendre les ponts sur la Spree. Parce qu'il y a une rivière au milieu de Berlin, c'est la Spree. Bien. Berlin, le dernier bastion des fascistes qui ont encore la volonté de se battre. Ces 4 années ont été brutales, longues et tachées de sang, mais nous sommes chez eux et ils se battront jusqu'au bout. L'ultime victoire ne sera pas simple. Peut-être avril. Bon, il va falloir recruter des troupes. Du mortier, il va falloir du mortier surtout, je veux du mortier. Voilà, c'est des véhicules blindés. Les fantassins se sont sacrifiés.
va falloir sécuriser le pont Molke. Ostruppen. Ils sont mal équipés les pauvres machins. Et avance. Prenons Shrek. Priorité pour nos Shrek. C'est les pires. On est sûr que si on reste à découvert, notre espérance de vie va pas être très longue. Hein. L'ennemi a éliminé une autre section d'infanterie. Des sections frontoviki sont disponibles. J'ai recruté en masse du fronto. On va avancer sur le pont. On a tué le pont. Section frontoviki arrivée pour le combat. Pas un pas en arrière, camarade. On se derrière. J'ai composé Daily d'Allemagne. Même description. Allez entre guillemets. Hein. Des sections frontoviki sont disponibles. Section frontoviki arrivée pour le combat. Toute retraite entraînera la mort. Oh merde, le pont est piégé. Fuyez. Reculez. Il se trap. Le pont est tenu. Regardez, le pont est toujours intact. Traversez-le alors. Il est intact et débarrassé des Allemands. Allons maintenant sécuriser l'autre côté avant qu'ils tentent de le reprendre. Il n'y a pas de lâche ici. Oui, par ici. Avant de prendre le Reichstag, débarrassons-nous des fanatiques dans le bâtiment du ministère de l'Intérieur. Nous pensons que les Allemands y entreposent des munitions qui nous seraient certainement très utiles. Une fois sécurisés, nous nous dirigerons vers l'opéra où l'ennemi est retranché en grand nombre. Avec celui-ci entre nos mains, nous traverserons la place et ses fortifications avant d'attaquer leur dernière ligne de défense devant le Reichstag. Camarades, ne soyez pas découragés par nos pertes. La victoire est presque à portée de main. Emparez-vous du Reichstag et nous ruinerons ce qu'il reste du moral allemand. Le drapeau soviétique flottera à son sommet. Bon. Les Allemands seront sûrement bien retranchés dans les rues. Nous devrions essayer de les contourner autant que possible. L'artillerie n'est toujours pas à portée, et ces tourelles flak empêchent tout appui aérien rapproché. Kaufmann. À pied et avec les blindés dans les rues, camarades, nous prendrons Berlin nous-mêmes. Ouais, allez, on y va. Des troupes de bataillons disciplinaires sont arrivées. Que
Oh putain, donne-moi ça. C'est bon. Bon, tous ces gens-là. Bloquez-vous. Bon. Il y a des points ici intéressants. Et Missa à terre qui est là. On va d'abord nettoyer ce qui est ici. Putain, il y a des Allemands partout. C'est quoi ça? C'est un Flak Panzer. Vent de l'Est. Bon. Je vais essayer de prendre le point ici à gauche. Je peux pas laisser des trucs comme ça en retrait. Surtout, je peux pas laisser des troupes allemandes derrière mes lignes. Boum. On est trop peu. En attente d'ordre. Toute retraite entraînera la mort. Voilà, c'est bon. C'est sécurisé. Allez, un autre petit recrue. L'ennemi a éliminé une autre. Putain, ils sont nombreux les bâtards. Allez, par ici vite. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Troupe disciplinaire en attente. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. Il faut jeter de la porte. Oh, ce que je leur mets de la gueule. Je suis au maximum de mes effectifs, parfait. Et après, il va falloir prendre le point là. Je mettrai les mecs probablement dans la baraque là. Mais il y a du monde là! Vous avez vu tout le monde qui reste? Alors, les compagnies qui vont mourir, c'est pas hyper grave. C'est quoi, c'est un 88? Bah oui, c'est un 88. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Okay. Troupes disciplinaires en attente. Toute retraite
Alors où est-ce qu'ils sont? Prenons-le derrière. Je joue 3E. Le barrage routier, c'est pas trop la peine. C'est quoi les mecs là? Il y a encore un gars là. Bon, il est de pète là maintenant. Sur mon avis. Notre section d'infanterie a préféré mourir plutôt que fuir. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. Vous allez prendre le point là. Non, on va aller par là. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Panthère, d'accord. Allez, Shtug. J'ai envoyé les 2 unités qui restent. Allez, 40 assauts, le Shtug. Bon. Allez. On avance par là. Les ingénieurs. Alors. Alors l'ingénieur est où? Remonter cette rue serait du suicide. Nous devrions contourner par l'est et l'ouest. Nous avons accès aux sections disciplinaires. Faites bon usage de ces lâches. Et vous là, vous avez régénéré. L'unité là. L'ennemi a éliminé une autre section d'infanterie. Pas grave. Disciplinaire en attente. Toute retraite entraînera la mort. On va renforcer le mortier. Bon, et vous là? Je peux me tourner, camarade. Bon travail. Vous remplacerez ce qui en rendit là. Cette section a pris en route. Bon, au moins vous c'est fait. Le Shtug. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Canon, feu! Allez. Trafbat en attente d'ordre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... C'est pas un truc que je pourrais récupérer, ou de cachar lourd. Voilà, T-70. On se prend un deuxième. Mortier là. On va cloiser la ville et nettoyer. Enfin, cloiser la zone plutôt. Nous avons accès aux sections disciplinaires. Faites bon usage de ces lâches. Les ailiers prêts. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'ils nous disent de contourner par l'ouest et l'est. C'est plein de troupes ici par contre. Passer par l'est. De courageux fantassins se sont sacrifiés.
D'ailleurs, où qui sont les ingénieurs? Oh putain, aussi ils sont déjà morts. Aux ingénieurs pour réparer le Shtug. Ils ont bousillé mon char en 2-2. Char léger, on attente d'ordre. Des sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Strafbat en attente d'ordre. Ben, le génie, il va venir. Ah bon, ils sont morts. Nous avons accès aux sections disciplinaires. Faites bon usage de ces lâches. Ouais, faut qu'on s'occupe du... Sans doute, ouais. Ouais, je vais bien faire ça, mais bon, faut que je... Où sont les obusiers, la con? J'ai l'impression qu'ils meurent en masse, les mecs. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. L'infirmier s'est fait flinguer aussi. Strafbat en attente d'ordre. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. Bon, faut qu'on avance. Fils de pute. On perd des véhicules. Ouais, j'ai compris que là c'est le suicide d'aller par là. Ils ont encore un objet lourd. On a plein. C'est parti là cette unité. Vous avancez, mon Dieu! L'ennemi a détruit un de nos véhicules. Notre territoire se réduit. On perd un point? Non, 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 non. Bon, j'ai bousillé un t-shirt, bon, je sais plus qu'il y a plus la moitié, seulement la moitié de mes...
les effectifs. Ce qui se passe si je veux avoir un visuel. Ok, les grenadiers. Faut que je prenne ce point absolument. Et sinon, on va avoir des obusiers qui vont tirer dessus en boucle. Comment t'as fait pour rater une cible pareille, mec? Nous avons accès aux sections disciplinaires. Faites bon usage de ces lâches. Trafbat en attente d'ordre. Toute retraite entraînera la mort. On va aller par là. On va prendre le ministère de l'intérieur, parce qu'il en reste. Ah, la gueule du bâtiment. Finissez-moi ce troufion là, c'est juste un petit panzer grenadier. Encore des troupes ennemies là qui arrivent en boucle. Je vais pas me débarrasser de ce putain de chouchou qui me bouffe des points. Troupe disciplinaire en attente. Pas un pas en arrière, camarade. On va prendre une IS2. Bon, on a pris ce point-là de la ville. Camarade commandant, il est temps d'avancer et de sécuriser les ruines de l'Opéra Kroll. On est petit, mais on est rapide. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. L'entrée principale sera sûrement bien défendue. Nous trouverons peut-être une autre. Et l'Opéra, il y a un point là. Ici. Ce qu'on va faire, c'est simple, ça va être foncer vers. On fonce le génie. Bon. Bon, on a des renforts qui arrivent par là. Allez, on va approcher les mortiers. Là, c'est un Panzer 4.
Alors, lui il est mort, il terrasse avec sa bombe. Un peu con. Disciplinaire en attente. Pas un pas en arrière, camarade. Bon allez, on va avancer. L'IS2, faut que tu bombardes ce truc là. Hein. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Kravbad en attente d'ordre. Toute retraite entraînera la mort. Bon, les mortiers là. Lance-moi du tir de mortier là-dessus. On avance. Je les trouve au casse-pied de manière absolument atroce. La prise de barrière et puis des millions de soldats allemands qui détenaient la ville. Ils n'avaient pas lâché comme ça leur capitale, les mecs. Oh putain, lui s'est flingué qu'une merde. Allez, vous allez entrer. Je vais vous mettre à proximité du terrain. Deux chars légers sont... Deux chars légers perdus comme ça. Tout bêtement. Putain, mais ils viennent d'où ces connards? Notre section d'infanterie a préféré mourir. Putain, il y a des mecs, il est mort, il y a des troupes allemandes qui étaient planquées là. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. En attente. Toute retraite entraînera la mort. On est en route. Putain, on manque de manpower, d'effectif. Les lance-flammes qui arrivent. Oh putain, les troupes allemandes qui arrivent en boucle. On va avancer au moins. Dégagez! Putain. Strafbat en attente d'ordre. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. Qu'est-ce que vous foutez, mon dieu? L'armée rouge à votre service. Ici, troupe disciplinaire. De courageux fantassins se sont sacrifiés. On s'occupe des mortiers, camarades. On se déplace. Allez, un petit coup de bombardement ici. Comme vous voudrez. Putain, camarade. Section de mortier recrue à vos ordres. On lève le camp. Réponnez, camarade. Disciplinaire en attente. On reprend. Pas un pas en arrière, camarade. Et après, il va falloir qu'on bombarde le point ici. Bon. C'est dur de savoir que c'est un opéra ce truc là avant. C'est une blague, il y a un Panzer 4 dans les ruines de l'opéra. Tu veux l'opéra? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Il y a Panzer 4, d'accord. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Ah
Ah ouais, c'est que l'IS-2 ça dépote le machin. Bon. Et vous, le duo de lâche? On va lancer le mortier. Non, je vous dis de vous mettre couvert, on est crétin. Allez dans le hall. Voilà le barrage, c'est ça qui va exploser d'ici peu. On va prendre l'auditorium. Bon. C'est bon, on est full en termes d'effectifs. Bon. Plus qu'à prendre la partie ouest de Berlin. Avec le Reichstag qui se trouve au bout là. Ok. C'est pas plutôt pour le RSS plutôt qu'on devrait dire. Par contre, je sais pas du tout ce que les obusiers allemands. Et on avance. Oh putain, il y a du matos. Oh putain, le bug qu'il y a là. Oh putain, il y a du monde hein. Quoi ça? Le Sturmpanzer 4. Il va me démolir ce canon d'assaut.
Bon, réparez-moi absolument le l'IS-2. On avance par là. Faut qu'on nettoie tout ce qu'il y a ici. Qu'on prenne tous les putains de ponts. Il n'y a plus grand chose en face. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. On a perdu d'autres combattants. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. Bon, putain, il y a tellement de troupes ennemies là. Il va falloir vraiment des bombes ici là pour bousiller ça. 200, ça coûte cher. Nous avons accès aux sections disciplinaires. Faites bon usage de ces lâches. Strafbat en attente d'ordre. Pas un pas en arrière, camarade. On a d'autres recrues à notre disposition. Déplacement. Quels sont les besoins? Faut que je prenne le point là, puis les deux de l'autre côté du fleuve, enfin la, du oui c'est plus un canal. On prend la place. Il va falloir qu'on avance aussi. Hein. Ah ouais, il y a un char. Est-ce qu'il y a encore le char? Ou est-ce que j'ai réussi à le démolir? Tirez pas dessus comme des glands, abrutis! Il faut également un autre char lourd. Bon, j'ai assez mon char lourd là pour dégager ça. Je vais ouvrir le passage. Pas très concluant. Les yeux, ils voient pas bouger ça. Char léger, en attente d'ordre. Les mortiers là, vous êtes quand même assez éloigné maintenant. Avancez un peu. Barrage d'artillerie incendiaire lancé. J'ai cramé tout ça. Cible confirmée.
Bon. Ouais, s'ils font bousiller ses défenses anti-chars. Barrage d'artillerie incendiaire prêt à tirer. Parfait. Strafbat en attente d'ordre. La voie est ouverte. Et pendant Shrek. Ouh la vache. Incendiaire sur la cible. L'ennemi a éliminé une autre section d'infanterie. Notre section d'infanterie a préféré mourir plutôt que fuir. Bon, vous leur conférencez un petit peu. J'ai pas eu mon char. Il y a un canon Shtuk 3 qui voulait faire contre un Shtuk 3 avec des mortiers. Et du matériel lourd en face. Hein. Disciplinaire en attente. Pas un pas en arrière. Il faut du char lourd. Hein. Sans char lourd, je peux rien faire. Si je suis en arrière sur les moteurs, c'est... Tellement de troupes allemandes là qui gardent le Reichstag. Vous avez vu tout ça? Toute retraite entraînera la mort. Vous avez vu le nombre de mecs qu'on perd? Barrage d'artillerie incendiaire prêt à tirer. Notre section d'infanterie a préféré mourir plutôt que fuir. Sauf plus que s'il y a du... Faudrait pas faire grand chose en plus contre tout ça. Ah si, bon, c'est un pack d'explosifs. On reprend le point. Il faut que je prenne un truc, je le lâche pas en général. Enfin, je préfère éviter. Mettez vos couverts sous les plots. Nous avons accès aux sections disciplinaires. Faites bon usage de ces lâches. 200. Enfin, j'ai les Chauffniki. L'ennemi a éliminé une autre section d'infanterie. On perd des mecs en boucle, c'est atroce. Camarade.
On est à plus loin là, on va avancer un petit peu, non? Explosif. Il faut qu'on fasse qu'on réduise au silence toutes ces batteries artillerie. On a perdu d'autres combattants. Troupes disciplinaires en attente. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. On voit notre IS-2. Le nombre de bâtiments que, de chars que j'ai perdu. Ouais, tout ça. Si on bouille pas ce putain de canon, on n'a aucune chance. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Troupes disciplinaires en attente. Toute retraite entraînera la mort. Il va falloir bousiller également l'entrée là. L'ennemi a éliminé une autre section d'infanterie. Combat en attente d'ordre. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. Barrage d'artillerie incendiaire lancé. J'ai cramé tout ça. Alors, vous là, vous allez arrêter de glander, vous allez faire une belle charge par là. Et ça, on voit ce qui se passe ici. Mets-moi derrière au but, s'il te plaît. J'ai raté. L'ennemi a détruit un de nos véhicules. On bouge, section disciplinaire. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Les mines, oh les salauds. Un autre IS-2 qu'on va envoyer. 760. Ouch. Bon, on va envoyer du lanti-char classique, ce sera très bien, je pense. On va envoyer de la viande en masse. Putain, mais... Ah ouais, d'accord. Les deux tigres qui protègent leur Reichstag, ouais, bien sûr. Et que je fasse quoi? Que je bousille les tigres en bois avec juste des... Des mortiers? Barrage d'artillerie incendiaire prêt à tirer. Nous avons accès aux sections disciplinaires. Je peux rien faire, il faut absolument que je bousille ces deux putains de tigres.
Il me faut du CS2, hein. Je sais pas si ça va vraiment être efficace pour buter du tigre. Mais c'est du pendant Shrek, peut-être pour buter du tigre, mais... J'ai quand même un peu un doute, comment vous dire. Le cas est lourdement endommagé, bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait contre un tigre? Ah voilà! On a quasiment rien fait. Putain de merde. Ces trucs sont tellement résistants, c'est atroce. On va essayer d'envoyer une contre-charge, mais... Lancer de charge sur le tigre. Bon, on commence à l'endommager le machin. Bon, on a eu un tigre. Plus qu'à voir le deuxième maintenant. C'est encore des défenseurs en face. Bon, il faut faire taire les défenseurs qui sont dans les murailles. Les tigres sont détruits! Camarades, lancez l'assaut sur le Reichstag! Pas facile. Bon, j'ai fini la campagne avec toutes les missions dorées. Et voilà. C'est la fin de la mission. Mais bon, on va quand même faire continuer pour voir ce qu'il y a après. Des millions sont morts pour hisser ce drapeau. L'ironie, c'est que le Reichstag n'a pas servi depuis qu'Hitler est au pouvoir. Toutes ces tombes pour une simple photo. J'ai tenté de vivre avec ces souvenirs, mais toutes les nuits, mon esprit fusait. Je n'ai pas trouvé le sommeil pendant un an. Je devais agir. Pour honorer ces hommes, ces soldats, la vérité devait éclater. J'ai voulu déserter. Quand j'ai vu que vous nous aviez trahis, j'ai signé l'ordre de votre déportation au goulag. J'ai lu un jour que dans une guerre,
La première victime, c'est la vérité. Ce livre ne contient que la vérité, camarade. Nos rudes batailles, l'héroïsme des hommes, tout est dans ces pages. Notre victoire n'a fait qu'engendrer une nouvelle tyrannie. J'ai fait la paix avec la vérité depuis longtemps. Si je dois mourir à cause de ça, alors qu'il en soit ainsi. On récolte toujours ce qu'on sème, camarade. Lev Abramovich Isakovitch, vous avez été reconnu coupable de crimes contre l'État et condamné à mort. Une dernière déclaration ? Vous devriez partir, camarade. Camarade Isakovitch, quand on m'a envoyé votre livre suite à votre arrestation, j'avoue que je ne l'ai pas lu. Jusqu'au jour où j'ai appris que je ne survivrai pas à la prochaine purge du camarade Staline. J'ai voué ma vie entière à la mère patrie, et il me faut maintenant accomplir un dernier devoir. J'ai gagné une balle. J'ai au moins le droit de choisir laquelle. Alors, je prends la vôtre. L'histoire de nos soldats doit être racontée. Que dire ? Je vais vous laisser le générique de fin. Je trouve la motivation du commandant assez... assez intéressante, on va dire. En tout cas, c'est très bien. Il a bien compris qu'il est foutu, donc... quitter le foutu, bah, autant faire ce qu'il y a de bien. Oh, le script. En tout cas, donc, quoi qu'il en soit, c'est la fin. J'espère donc que la campagne vous aura plu, que vous aurez arraché les cheveux devant mes fails, devant mon incompétence, mon talent pour envoyer les mecs à la boucherie. Bon, au moins, je l'ai fait en difficulté maximale. J'ai fait en or. Vous avez pu voir à la fin. Ah bon. Contre Nia, c'est une chose. Contre des joueurs, c'est autre chose. Je suis sûr que c'est là qu'ils veulent m'affronter en J contre J. Bah, déjà, ce sera pas un plaisir pour moi. Parce que je vais me faire rouler sur le fion. Et je préfère éviter de donner de mauvaises idées aux joueurs. Ou à même à mes amis. Clin d'œil à ceux qui me regardent. L'image là c'est belle avec juste la destruction du char qui est saisie sur l'instant
avec l'explosion de la soute de munitions. Oui, parce que le problème des chars, c'est qu'il y a une soute de munitions dedans. Là, il y a le comédien de doublage, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a toujours des comédiens de doublage hein, pour... Oh! C'est quoi cette photo? Ce serait pas des... les enfants des développeurs? C'est mignon. Je trouve que c'est un bel hommage. Après, l'éclat du feu, je le trouve un petit peu trop flashy là, un petit peu trop. Intense. Par contre, l'effet des flocons de neige peut être assez sympathique. Ah, une nouvelle image? Remerciements spéciaux à toutes les braves âmes qui ont perdu leur vie durant la guerre. Nos familles, nos amis. Pour nous avoir soutenus pendant les heures de travail. The Sewash Intime. Ah! Nvidia. Ces événements sont inspirés du... de l'œuvre de Vassili Grossman, un écrivain de la guerre, et il est traduit par Anthony Beaver et Luba Vinogradova. Ah, CEO, c'est le central exécutif officier, ouais. Par contre, COO. Après, quand je vois toutes ces lignes qui passent, je me dis que c'est quand même assez chaud de faire un jeu vidéo parce que tout le personnel qu'il faut, surtout tout le... Parce que faire un jeu, la progression, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est surtout le scénario, trouver les idées, et surtout après tout ce qui l'entoure. Distribution légale, les tests. Oui, parce que ce jeu, c'est pas un jeu en bêta testing, hein. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Trente-sept mecs qui l'ont testé, dont un certain Peter Lamoureux. C'est. Bon, après, on va dire. J'essaie de voir s'il n'y a pas un certain David Goudenoff là-dedans. Si vous avez fait des commentaires, la blague, tant pis. Hein.
Moi aussi j'y ai pensé. C'est Gamerica. Oh! Vous allez me faire tout le staff de Sega? Ah non, désolé, hein, je peux plus. Voilà. Comment est-ce qu'il peut y avoir écrit sur le char ici, là? Pour ceux qui parlent le russe. Quoi qu'il en soit, moi je m'arrêtais là. J'espère donc que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos remarques. Avec un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt.